Bonjour camarades, camarades, auditrices, auditeurs de Arakaï sur Radio Libertaire, tous les mardis de 11h à 12h30, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. C'est pitié, tu le dis. Ouais, puis moi la pub, je déteste ça. Oui, ça alors là, elle a failli se fâcher avec Renault parce qu'il avait fait une pub pour Cronenbourg hein, quand même. Bon, oui, enfin, il y avait aussi l'adjudant Cronenbourg de Camus. C'était des références qui n'étaient pas très glorieuses pour une émission anarchiste. Voilà. Je voulais dire, bon, une émission donc mardi prochain, le 3 février, consacrée à Camille Claudel, la bien nommée, une sculptrice de génie, qui a fini les 30 dernières années de sa vie, qui a vécu les 30 dernières années de sa vie dans un asile d'aliénés, laissée pour compte par sa famille, dont le Claudel poète, soi-disant, hein, surtout calotin confirmé, et ambassadeur de France en Chine, à Pékin, pour le faire. Enfin, on ne va pas vous déblatérer tout de suite tout ce qui se passe, s'est passé dans la vie de cet immense artiste, voilà, que Rodin a gentiment pompé pour quelques sculptures qu'elle avait faites d'abord. Je ne l'ai pas dans la tête, là, mais j'ai bien l'image, mais je n'ai pas le nom. Enfin bon, on vous reparlera tout ça plus en détail mardi prochain sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille. L'émission, bon, on va pas vous tartiner trop là-dessus. Hein. Un peu culte quoi. Ah oui, un peu. Disons-le. Donc, à mardi prochain, camarades, camarades.